Jeudi, on se dimanche 7 avril 2024. Et gros point nouvelle débat matin. Normalement, à ce qu'on est, nous pas by nouvelles le dimanche, mais quand les nouvelles s'affolent, et MPH fait le point, n'est-ce pas? Donc, nous avons 8 immigrants et qui sont victimes d'un gros accident, donc sur le Luxon, en Saint-Ville. Donc, sous route, Eagle Pass, Texas, c'est lui-même qui a fait publication ça matin. Et là-dedans, il y a 3 Haïtiens qui sont victimes d'un accident. Ça, on a vu plus de détails pour même dans la vidéo ça, mesdames et messieurs. Et nous gagnons une grosse nouvelle qui a circulé également et qui sont vol gratis pour les gens qui ont approuvé dans le programme Biden sorti au cap privé dans le pays États-Unis. Nous prenons le vini tout avec détails dans la vidéo. Le président Abinadel a parlé avec le secrétaire d'État Anthony Blinken sous dossier Haïti. Et nous gagnons les États-Unis qui rapportaient que eux-mêmes ont déporté tout immigrant haïtien qui a utilisé l'homme pour capable arriver dans le pays les États-Unis. République Dominicaine avec Costa Rica et Panama, eux-mêmes ont condamné violence qui fait dans l'ambassade Mexique qui dans pays Équateur, plus précisément dans ville Quito qui c'est capitale là, mesdames et messieurs. Et nous pourrons répondre des questions dans le programme Biden non, et nous gagnons des questions éclipse solaire là également. Donc nous pourrons parler d'éclipse solaire là et dans vidéo aussi là. Éclipse solaire, nous connaissons demain si Dieu veut et grand public là, t'as fait connaître toute la terre qu'a couvri, n'a continué à porter plus de détails sur information si là. Mais on connaît, bonjour, c'est Lisa, je forme salut. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Moi, j'espère en forme si n'a pas regardé vidéo ça. Nous là, toujours. Nous dis papa bon Dieu qui on lance là un gros merci qui fait un cadeau un jour en plus non pas c'est MPH c'est mieux les MP ma belle Eleni relem MPP bullsuc moi pas connait qui non pour bon moi son plaisir me passer me fournir une information avant que moi fournir une information m'a dit un gros merci un gros merci pour love là à chaque fois me garder en bas vidéo là les monter moi bon 2000 likes m'ko ka bon 10000 likes but mo bon 2000 likes et n'a monté à 3000 likes et content you know something so senti me content me commence content et si vous voulez que me continue content continue vider like en bas vidéo guys soit me frère c'est avec like moi bien OK me bien avec like qui ça like la MBH me c'est toujours dire like son pouce qui en bas vidéo là on monde clique sur lui il dit au fond bon travail. Et then le moun nan di ça, li di mremon. Et puis moun nan li tout di YouTube, le gen jan de information sa yo kap fèt, fè m konnen, kap bay fè m konnen. Et YouTube li même li tout konnen ou remen ça. Et puis la vwe sa ba ou. Et m konn se remen ça nou ye. Bon like la s'il vous plaît pour pa jan manke information. Et on commence par le point. Le point qui est plus important, nous connaissons, c'est dans le domaine immigration. Dans le domaine immigration, tout le monde a reconnu, what's going on here? Parce que y'a autant de gros nouvelles de yo, MPH, une fois que moi approuvé dans le programme Biden, non, est-ce que m'ka monté au cap haïtien? Est-ce que moi capable de prendre vol de manière gratis et pour m'entrer dans le pays États-Unis? OK, là c'est belle question qu'a posé net oui. Est-ce qu'on cap prend vol gratis pour rentrer dans pays États-Unis? Là, on veut rappeler que dossier vol gratis pour rentrer États-Unis, hein. C'est ambassade américaine qui t'a publié dans mois mars qui s'est passé là, plus précisément le 20 mars qui s'est passé là. Les ça, ambassade là t'a mentionné qui moun cap capable participer dans vol ça. Anyway, moi ouais en pile moun, même moun ou ka fè confiance et publier bagay sa, fè konnen gen vol gratis. ALM di moun ou ka fè confiance, moun ou pense que ki moun ki se influenceur sur réseau yo et ki di ça. Yeah, moun ki se bon influenceur, bon gen influenceur sur réseau ki fè konnen que ou ka participer nan vol gratis là pour capable aller nan pays les États-Unis. Bon moi avèw guys et ki sa ambassade là t'a dit peut-être ou gen doit oublier. OK, n'a pas qui ça ambassade là t'a dit et de vol gratis yo, est-ce qu'on capable participer là-dedans? On regarde, nous va regarder l'ensemble et on connaît moi-même toujours porter petit détail là. Jean lié hein. Là, m'a pas obligé share screen. Oui, on share screen.
chers screen, un moment. Prenez un peu de patience pour qu'on ait avec vous, ok? De quoi on va dire, c'est pour moun pas parler MP ou la mal, parce que moun pas non jouer avec ça ou même, quand ta moun a vin di MPT, dit et ou toujours tient à ce que, ou ka, et ou ka désapprouvons moun, l'el di MPT dit. Parce que ou connaît le MP toujours dit yon bagay, MP toujours make sure, et mais MP vina avec. Et pas vrai? Yeah, MP toujours vina avec. Là, m'bral dou, mais grand moun nan, li même qui te fait annonce là, et pas moi qui te fait, là, m'oblige vina avec grand moun nan qui se ambassade américaine dans le pays d'Haïti, c'est li qui fait annonce vol gratis là. A ti autorisation nan, sko ka ali. Mais ça te dit, ambassade pays États-Unis a coordonné yon série vol assist, yon série de vol pour assister pour permettre citoyens américains quitter Haïti à travers moyens qui pas commercial. C'est seul citoyen américain qui gen document approprié yo cap capable embarquer dans vol ça. Are you there with me? Yes. Donc là, on fait un petit clic sur ça parce que ceci ne dérange pas cela pour nous kabwe qui ça le dit davantage de vol ça. Guys, na excusez le matin parce que connexion a pas problème depuis hier et n'a pas rangé ça. Demain c'est lundi et ça c'est ça qui cause en série de retard également. Okay. L'ambassade américaine a coordonné des vols de départ pour assister des citoyens américains à des citoyens américains d'Haïti par des moyens non commerciaux. Seulement, citoyens américains qui gagnent pièce identité appropriée a capable autoriser pour embarquer dans vol ça. Citoyens américains yo doivent remplir formulaire admission en cas de crise pour yo capable informer ambassade américaine et que yo mande aide si yo pas encore fait ça. Formulaire disponible sous My Travel That State. Là encore, ou cliquer en attention, li dit que seulement citoyen américain est-ce que ouais. Donc mes formulaires moun yo même yo pral remplir. OK? Assistance request. Please select the event for which you are contacting the Department of State. OK, Haïti. Haïti. OK, li clique sur Haïti et puis li fait next. OK, I am requesting myself. OK, I am requesting for someone else. M'a demandé peut-être moi, I'm requesting for myself, sorry. I'm requesting for myself. M'a demandé peut-être moi ou bien m'a demandé pour l'autre monde. Et what is the citizenship status of the person in need of assistance? US citizen. OK, c'est US citizen pour lié pour capable. Et requesting service, qui service ou mandé? I plan to stay in the country and want to continue receiving update from the embassy. Now, I plan to leave the country on my own. I plan to leave the country and may need assistance to leave. I'm contacting that I have left the country on my own. Donc, on va prendre l'autre option, ça qui dit I plan to leave the country and may need assistance to leave. Donc, on va prendre l'option, ça, elle dit je veux quitter le pays et j'ai besoin d'assistance. Additional assistance. I may need loan from the US government to buy commercial ticket. Okay, I need help with a US passport. I need help with a visa for my accompanying spouse, blah, 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 blah. Là, on prend première option qui dit, I may need a loan, okay, from the US government to buy a commercial commercial ticket. Là, on remplit form, non? Et puis, on dit pas un robot. Et puis, ou fait next. Ou fait next. Gardez à ces mouns qui se US government. Yo. Là, ou pral vin remplil. Et ou ap mette nom, ou ap mette prénom, ou ap mette sous se masculin ou bien féminin, ou ap mette date de naissance ou ap mette ville ou fait, ou ap mette pays ou fait, ou ap mette citizenship là. Ok? Proof of citizenship. Est-ce qu'on est là? Là où est for by proof of citizenship, le appropri forme ça. Ça veut dire passeport, USCRB, US birth certificate,
OK, naturalization certificate, US certificate of citizenship, etc. Donc ça yo for by you nan ça. Et pour ba adresse kotoyen en Haïti. On ba adresse kotoyen en Haïti. Et puis on ba contact information. OK? And then là on ba emergency contact, OK? On ba family members. On ba ça yo tout, on ba ajouter document ça yo. Et quelques commentaires et puis on submit form nan. Automatiquement, on fait tout ça, et bien ambassade américaine lui-même l'a contacté ou OK ambassade américaine lui-même l'a contacté ou donc pral font ti bac tout petit pour moun ki pa trop démarche moun ki di m pa wè démarche pa j'apparaît blanche et pral fò wè démarche en moment et moi que le MPH là pas un D on seul qui est moun a copié sur MPH li pa MPH on faux en OMP sans H. Ah ouais. Men, c'est forme dans ça. Ouais, c'est forme dans ça. OK? Là, ouais tout ça m'dab du yo, mais yo. Mais yo. Mais yo. OK. Sorry guys. Mon petit Jean fatigué matin, me lever bonheur. OK, est-ce que ouais, donc automatiquement on vient faire forme non et puis ou voyez l'aller sortant de là gaz collé. Mais ambassade là lui-même l'a contacté. Donc, son façon pour me conclure pour me dire dossier femme ça, dossier moun pour aller dans America gratis, li pa pour moun qui participer dans programme Biden. OK? Li pa pour moun qui dans programme Biden. Li c'est pour moun qui c'est US citizen qui prend plus femme ça et puis et ambassade là lui-même l'a sponsorisé voyage là. Et le moun nan rivé ambassade la touche kob la sou moun nan tikal patikal. Ça veut dire son aide li joine. As you know, et ou gen doit arriver c'est pas qu'on y a ou prendre, mais étape par étape, il y a prend kob sa sou en tant que citoyen américain. Moun ki approuvé pour parole nan programme Biden nan, poko gen parole. Là c'est une chose qui doit être claire pour tout le monde. C'est ça qui fait que sous ta prière ou ta gêné et mais pendant que m'a dit voulez pas c'est pour approuver dans programme ça hein? Pendant que ou ta prière ou ta gêné pour que ou cap approuver dans programme non m'vle ou connait ou approuver pour joindre une parole ou éligible là que nous dit ou approuver a n'a dit que ou éligible pour joindre une parole mais ça pas ta vle dire ou gétant joindre une parole là ou pral jouen une parole là leur rivé. OK then, là let's talk my language. Si toutefois c'est leur rivé ou pral jouen une parole là, sou qui garantit l'état américain lui-même l'a gen temps prend et san rele on loan pour le baou pour dou ou doue me leur rivé ou apim. Il pas ka comme ça. Pin ga non comprendre ba la mal. Parce que Biden bon petit Paul là n'était comment les petites Biden nous pas petite Biden non et non pas encore petite Biden notre petit bout faut que moi dis ça sérieusement c'est l'avant bord bien on bord qui ton boy OK et puis nous pas petite en dans non oui Biden vous êtes bon peine mais non pas c'est petite Haïti nous non pas petite Biden alors nous même nous c'est des petites que papa jeté et petite papa pas prend OK et dans bon terme non n'a dit y relé en Haïti et fils naturel. OK, non c'est fils naturel. La nature calé nous pas un papa américain et bon père nous Biden. Biden est petite liol voye chercher dans pays d'Haïti. Donc quel que soit moun ki ta dou gen vol gratis pour aller États-Unis, di moun non I'm sorry. C'est pas pour beau fille. C'est pas pour belle fille, c'est pour petite yo. Hein petite marié yo. But même si nous avons dit que Biden style papa, ou mon petit plaçage, ou pas petit mariage. Ce petit plaçage, oui. Et là, Biden connaît comme petite femme d'ailleurs. C'est comme ça va là. Donc, pas maintenant, t'es tout. Bon, l'on dit, ou approuvé ou à débarquer au câble. Quand on va aller, l'on arrive, soit plonger, soit montrer. Qui date vol ou? L'on voyage, il faut être fret. Parce que l'on voyage, c'est pas juste où vous voyagez. Ou gon date vol, ou gon l'heure, ou gon billet qui vient jouer nous, ou gon bagay qui vient jouer nous.
OK, là où mon yo submit form ça ambassade là li même li pral faire suivi hein vrai form bon pour rempli pour caper allez faut bay consentement que on paye là rivé et pas juste yo kidnappo et puis la go America et là rivé faut dire OK bay consentement que m'a paye et ça c'est number 1 vous comprenez et puis faut connait y a dit qui date vol là tout et faut dire non qui avion pour aller vous comprenez ça veut dire là et pas juste ou approuver pour la gecha au rivé au cap et pour rivé au cap sur rivé au cap gain là et puis son battant vol ou gain doit c'est caï moi Jean-Charles al dormi ou gain doit al dormi caï moi Jean-Charles parce que moi Jean-Charles qui politicien zone OK sur pas le dormi dans la rue please gen en ligne aérienne qui gagnait billet pour moun sa ou le Sunwise. Sunwise la li même son compagnie li vend billet yo. Li vend yo bon ti kob. Alors on grain bo billet et met chon en poche ou gen $1,000. Et m'a rappelé tout. L'autant de compagnie haïtien du $1,000 faut toujours gon l'autre $200 dans poche ou. Why? I don't know. Ou pas qu'on son pays Irak était lié. Donc faut toujours gon l'autre $200 dans poche ou. Parce qu'on ka fin acheter billet, l'arrivée immigration ka di OK, l'autre acheter billet ça, te gon frère avion te de payer ou on va te payer et avant mon avion ou ba $200. Et en dedans ba en faire non? Ou pas ka faire bruit en par côté pour faire bruit. Donc li mek choc que ou gon $1,100 là en $1,200 dans poche ou et puis pour sortir là au cap dans désert temps à Blago Miami 7 et mais faut gagner petit comme ça non pour c'est Sunwise qui vend billets ça c'est pas aucune autre ligne c'est Sunwise mes amis nous connaissons bien nous pas qu'un même trop parce que nous connaissons grand pile information matin on doit porter pour nous mesdames et messieurs et non fait excès de vitesse. Gagnon machine qui te pote immigrants. Immigrants sa yo, ce sont des immigrants qui te participé dans programme Biden non. Et qui te participé dans programme Biden non, c'est Luxon. Laissez-moi voir si je peux partager cela avec vous, cadeau monsieur. Et consamier. Ou pas ouais moun k'ap suiv moi tout, ou pas moun yo gen, ou pas moun yo, ou pas ouais moun k'ap suiv c'est ce des moun nan 60 ans, 70 ans, mais moun yo pi demoiselle par contre passer un paquet ti demoiselle et 20 ans, ou pas ka n'importe qui gen non. Si toutefois, c'est publiquement on besoin, ou pas ka n'importe qui gen, et pas moun ki lagé corps. Et ici an ba moun ki lagé corps, ou pas ka di m'a parler n'importe qui gen. A moun ki lage ko, nou a moun ki lage ko yo ici ya, jan vle, ok? Pour nous même nan MPH, l'âge la son chiffre liye, nou pa gran moun, l'âge la son chiffre liye, Lixon, Credit Lixon. Alors, Jean-Pierre Fleuret, Job, yon nan immigrant ki victime yo fè ni nou konen, après 3 haïtiens yo, te gen Cubain et ak Vénézuélien nan machine nan. Yo fè accident après machine pa yo a, ki tap kouri ak an pil vitesse, te fè collision ak yon lot. Et Job ki li même frappé nan tête di, yo tout se bénéficiè ki bon nan processus CBP 1 nan. Yo te nan route pou al pran avion San Antonio, Texas, après yo fin passé étape frontière Mexique la. Donc voilà. Ça c'est en créole, je crois que tout le monde comprend, ça veut dire que guys, yo te nan a yo fin passé étape CBP 1, ça veut dire yo fin gagner ti parole yo nan mais yo, donc yo pral prendre avion pour aller dans état côté yo pral aller, avion pa yo ta fait excès de vitesse. Ça m'a l'excès de vitesse parce que là que ou a contrôlé même si ou gain ou a courir à toute vitesse mais ou contrôler machine non et si toutefois ou garde ou machine non arrivé jusqu'à ce qu'on le frappe contre l'autre ou pas ca épanier ça son excès de vitesse et puis accident ça li pral cause pauvre malheureux yo qui était déjà préparé yo même pour que yo rentre America tranquillement et mais c'est l'hôpital oui il reconnaît yo chercher la vie. De tu la vie, bagayo pas facile du tout, malheureusement. Malheureusement, eh bien, immigrants sa yo quitté Mexique vrai, mais yo perdu morceau santé là pour kounia. Pour kounia. Mesdames et messieurs, et demain si je veux, c'est le 8 avril 2024. Dans 8 avril 2024 là, a bien un bagay qui est l'éclipse solaire. Éclipse solaire là et c'est une éclipse solaire qui a couvri nord
Amérique du Nord. Hélène dit Amérique du Nord. Amérique du Nord, mesdames et messieurs, il y a trois pays là-dedans. Prochaine Coupe du Monde, là, la fête en Amérique du Nord. Il y a trois pays. Trois pays, ça, c'est le Mexique. Mexique, c'est en Amérique du Nord. Et c'est Canada. Canada en Amérique du Nord. Et les États-Unis d'Amérique. Ces trois pays sont formés Amérique du Nord, là. Et demain, si Dieu veut, à une heure, n'a bien éclipse solaire là. Lundi à une heure, donc s'il t'a passé dans le matin, et il n'y a pas parlé d'éclipse solaire, t'as éclipse lunaire. Mais c'est dans l'après-midi. C'est dans une heure, dans l'après-midi, n'a bien éclipse solaire là, qui a pu étaler sous différentes villes dans trois pays ça. Comme ce palais là. Mexique. OK? Mexique. La voyage à travers Mexique. Les États-Unis, la prend Texas, la prend Maine, et puis la prend côte Atlantique, Canada. OK? Équipe solaire ça. Et ces pays, ça, on l'a couvert. Donc, il y a des gens qui parlaient de monde là. Non, ce n'est pas tout le monde là. Équipe solaire là, il y a couvert. C'est côté ça, on me saute cité là. Si toutefois, ou même, ou t'as dans une zone ça, et au besoin à une heure garder l'éclipse solaire là, ou doit gagner matériel qui l'a pour ça. Si ou pas gagne bon lunettes, yo fait exactement et même pour capable garder l'éclipse solaire là, li pas bon pour yo. C'est raison pour laquelle li important mesdames et messieurs et pour nous prêter attention. On suit et le petit bagaille, one second guys, encore le petit détail. L'autre petit détail, ok. Là, m'a gen parcours éclipse solaire là et différentes villes li gen pour le couvrir, ok. Différentes villes l'a couvrir. Mexique, mais qui ça l'a couvrir? Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, et puis Coahuila. Ça, c'est Mexique. Dans le Canada, la Ontario, la Québec, la New Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et puis la Terre-Neuve. Zone ça, y a touché par éclipse solaire là, demain si Dieu veut. MP fait nous information ça. Si m'te capable, m'ta fouwe li. Ah oui? Ah oui, m'ta fouwe, information ça. Demain, n'a bien toute caméra yo. Cap branchon seul côté, il a branché et vers Amérique du Nord, ok, pour garder éclipse solaire. C'est vers Amérique du Nord, la pied, toute caméra net à pied demain si je veux, pour capable suivre éclipse solaire là et pour qu'à faire screenshot, garder si m'ka joine détail là pour te qu'à faire screenshot, pour qu'à partager là toute l'autre amis. Vin fait est tout chaud là. Au bas nous c'est membre MPH de l'enfamille ça un fake information qui a vint jouer nous. Toute information qui a vint jouer nous yo, c'est information originale bon bagay. Je dis dimanche lié, c'est jour de la vérité. Salut tout le monde c'est Domingo. Salut nous. Ouais. Ok. Men. Et voilà. Et la couvre Sinaloa, la couvre Nayarit, la couvre Durango, la couvre Chihuahua, la couvre Coahuila, la couvre dans Canada, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et puis Terre-Neuve. Là, c'est dans Canada. Les États-Unis, éclipse solaire là, frappe Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Tennessee, Illinois, et Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire. Et l'a couvri Maine. Ce côté ça yo, et bien c'est parcours ça et éclipse solaire là demain si Dieu veut li a affecté mesdames et messieurs donc c'est à partir de 1h l'a yé. Li pa durer trop longtemps, ça veut dire c'est non petit moment l'a couvri. Pourquoi l'a durer 4 minutes si je ne me trompe pas. Donc c'est non petit moment l'a couvri, l'a boucher lune non pour lune non pas couvrir terre. Pour lune la lune la boucher la soleil la avec théa donc
en lune n'a bouché soleil un peu et puis sortant de là ou pas capable ouais bien la fait noir la un petit peu fait noir donc s'il t'a plu intense c'est bien et c'est pas du fait noir pas couvrir toute la tête demain si Dieu veut le fait noir pas couvrir mon côté mieux là d'accord et fait noir pas couvrir à nos carreaux côté lié c'est Texas Oklahoma Arkansas Missouri Tennessee Illinois Kentucky Indiana Ohio Michigan Pennsylvania New York Vermont sous pendant une état ça yo et pas gué éclipse solaire pour n'a pas continué toujours avec information parce que pas camper dans route nous obligé continuer avancer sans camper et sans prendre souffle et nous gagnons mesdames et messieurs hier moi t'ai parlé de une situation qui a développé dans Quito et situation ça qui a développé dans Quito a li fait en pile parler en pile li fait en pile parler en pile côté que nous gagnons et la police dans pays Équateur qui allait Mexique qui allait dans ambassade en Mexique là. Et puis yo arrêté George Glass. OK? Yo arrêté George Glass, qui George Glass lui-même qui c'est ancien premier ministre et ou bien vice-président sous Rafael Correa dans pays en Équateur. Monsieur ça, yo accusé le comme moun qui t'est participé dans corruption et nous gain Odebrecht qui c'est en compagnie et pétrole donc construction by pétrole et bien qui non le cité dans pile bagaille corruption et bien nous gagné et premier vice-président à l'époque et bien yo dit que monsieur t'est prend l'argent non mais compagnie pour contrat. Il t'est prend l'argent pour contrat. Wali, il te prend l'argent pour contrat, mais pendant que nous pas oublié que président et gouvernement ça, Rafael Correa, c'est depuis les amrailles politiques. Parce que Rafael Correa, son gouvernement qui restaurait Équateur, qui fait Équateur s'allier aujourd'hui. Les politiciens qui en Équateur cap goumen pour pouvoir, si pas de gain Rafael Correa, il va jamais connait goût pouvoir gagner. Rafael Correa fait aujourd'hui un gros pouvoir et sortant de ya, mesdames et messieurs, yo trahi monsieur ya. Yo trahi monsieur ya et yo mette monsieur ya même dans campé loin, monsieur a obligé courir. Après qu'elle fin gouverner pays pour plus que 10 ans, li obligé courir, là il prend exil juste dans pays Belgique. Qu'on y a là et tout le monde qui était dans pouvoir monsieur, il y a vraiment persécuté nan pays Équateur. Donc, m'pa vle di que George Glass pat nan corruption, mais m'vle di que en même temps et moun ki te participé nan gouvernement Korea, en pile nan yo la, yo nan gros bout persécution nan pays Équateur. Et bien, nou gen gouvernement ki la koulé la, yo lagé yo mandat d'arrêt derrière vice-président. Vice-président pas à côté pour le faire, là le caché dans l'ambassade Mexique qui dans Quito. Et c'est depuis décembre, monsieur a le caché dans l'ambassade là. Là monsieur arrivé dans l'ambassade là, donc li senti le style pas safe, li obligé mandé Mexique pour Mexique, mesdames et messieurs, ta bali asile politique. OK? Et pour Mexique ta bali asile politique. Mexique te prend petit temps pour le faire ça et finalement Mexique d'accord by George Glass asile politique. Qu'on y a là et même gouvernement ça et mais yo débarqué gouvernement Équateur yo débarqué dans ambassade Mexique là yo rentré par la force et yo prend George Glass. Ça me pense son bagage qui prend dans Nations Unies parce qu'elles sont violations droit monde et violation relations diplomatiques de pays au gain. Les vinn fait ambassade Mexique paraître laide, très laide dans pays Équateur parce que les vinn montrer qu'au vraiment pas aucune autorité. Parce que automatiquement ou ambassade là yo pa gen droit traverser 7.50 yo pour y aller faire des ordres parce que ambassade là c'est Mexique lié c'est droit le gagner ti morceau té ça c'est un ti morceau té mexicain lié dans pays Équateur yo prend monsieur
Nous avons Costa Rica, nous avons Panama, nous avons République Dominicaine. Yo même hier, qui était hier samedi 6 là, yo condamné violation inexcusable de intégrité territoriale. Ambassade Mexique en Équateur et qui était faite lorsque agent sécurité était rentré, il était arrêté par la force vendredi soir, Georges Glass qui s'est ancien pour un vice-président dans pays Équateur. Yon image que m'te partagé ensemble avec pour m'te montrer au kimoun et bien qui Georges Glass là qui c'est ancien vice-président c'est monsieur ça est-ce que well voilà oui ou ta dou well là c'est monsieur qui Georges Glass qui c'est ancien vice-président pays Équateur là c'est lui même que yon rivé arrêté et en dans ambassade là et qui c'est une violation. Donc nous gagnons les trois pays, ils ont publié un communiqué en tant que fondateur Alliance pour le développement de la démocratie, un groupe de pays côté Équateur est également membre. Côté ont condamné action autorité équatorienne. Costa Rica, Panama et République Dominicaine, ils ont exprimé rejet yo et ils ont regretté profondément violation inexcusable par gouvernement équatorien et de intégrité territoriale ambassade Mexique Quito dans 8 5 avril c'est ça texte là il expliqué et n'a pas son jeune garçon 35 l'année qui président actuel pays Équateur ça veut nèg ça même yo pas étudié diplomatie c'est business yo étudié et bien yo vinn faire des ordres dans l'état. Trois pays se rappellent que relations internationales régies par droit international, en particulier Convention Vienne 1961 sur relations diplomatiques, qui stipule que les prémices des légations diplomatiques sont inviolables et puis que les agents de l'État accrédités ne peuvent y pénétrer sans consentement du chef de la mission. Donc, pour yon moun rentre, selon la loi, selon la Convention de Vienne, pour yon moun rentre dans l'ambassade pays ou là, il faut qu'un chef mission qui baille autorisation. C'est tant qu'on te débarque aux États-Unis dans terrain la caillou ou vienne faire des autres. C'est tant qu'on l'a met à Haïti ou qu'a fait Haïti à l'ambassade Haïti ou qu'a rentré l'aime d'Haïti ou qu'a fait là et va dire Haïti qu'a rentré dans l'ambassade américaine dans l'ambassade Canada et puis elle fait des autres non bon on connaît peuple a fait ça lever mais l'État pas capable. Si toutefois ambassade américaine li arrête tout monde li ambassade là ici pas capable non. OK et si on président courir là rentre ambassade là Haïti pas capable. Il pas capable. À moins que eux-mêmes yo mettent le dehors. Leur mettre dehors ambassade là, c'est un continu déportation. Le respect restreint de ce principe a une tradition très ancienne et profonde créée dans les Amériques qui servit de base à renforcement confiance mutuelle dans relations diplomatiques là et coexistence pacifique entre nations yo, c'est ça au cap dans déclaration. Ça t'a veut dire, c'est que qu'on y a un grand manque de confiance. Ah oui, et si me connais dans pays là et tant que me parle à moi, me sont simple citoyen et me sont simple citoyen tant que tout citoyen, si toutefois qu'on y a, yo capable rentrer la cam. Déclaration ajoute que norme international yo et yo régi asile pas jamais servi justification à violation siège diplomatique qui ont état. OK? Asile li pas jamais servi comme une preuve justification à violation parce que yo ba mon asile ça pas qu'on preuve pour justifier ou qu'a violé ambassade là li pa jamais gen dans texte dans accord pour dire que yon moun qui rentre dans yon moun qui prend asile qu'il pas non ba asile que l'état pays a estimé que yo pas de bali ça qu'a cause entrer dans ambassade yo fait des zones. Costa Rica et Panama République Dominicaine yo convaincu que Équateur et Mexique, nation sœur, y a en mesure pour surmonter grave conflit ça dès que possible par dialogue et règles qui régit question ça afin qu'abio prenne voie normale et relations diplomatiques yo. C'est ça Panama, Costa Rica, République Dominicaine yo même yo conclu.
Donc, nous connaissons à partir de là, nous avons un Mexique qui coupait toute relation diplomatique avec le pays Équateur. Donc, si toutefois, ou même, ou en Équateur, et vous avez besoin pour un visa Mexique, parce que grand pile haïtien de Mexique, depuis Équateur, qui joignent visa et mexicain, et c'est comme ça, en pile, là, vous avez une chance de quitter Équateur, eh bien, et ou pas capable. La police équatorienne, vous fait irruption dans le siège ambassade Mexique Quitoa, hier vendredi, vous arrêté Georges Glass, qui est vice-président Équateur, sorti 2013 pour 2017, avec Rafael Correa, qui était dirigé 2007 à 2017, puis au but du gouvernement, Lénine Moreno, 2017-2021. Donc, à partir de là, il était pas trahi, monsieur, et c'est comme ça, sortant de là, Briganda est pété. Et voilà, et déclaration pays, ça, et qui condamné à toute force des ordres ça et qui fait mesdames et messieurs OK des ordres qui fait là mais yo condamné à toute force yo et sous site Mires Gob Punto ono cap joine communiquer ça lui-même qui disponible et qui disponible c'est dans ministère relations extérieures dans République Dominicaine et m'espère que Mexique lui-même li prend note et c'est pas seulement Mexique moi m'tab dit que Équateur lui-même li prend note Jean de bagages ça vraiment yo pas bon pour personne et bien à faire yo pas bon parce que moi-même si m'ta besoin ti asile et puis m'cour rentrer en côté ou pas ka dit de m'passer fla hein voilà les communiqués que je voulais partager avec vous mais qui n'a pas trop bien, je vais faire les efforts et qui dépendent de moi afin qu'on capable de joindre et j'en communique à lui-même, monsieur yo fait le sorti. Voilà, c'est ça communiqué et trois pays yo même yo mettez dehors pour être capable de condamner à toute force yo des autres à pays Équateur faire ces problèmes. Ça me gagne actigène, ok. C'est problème ça me gagne actigène. C'est ça que fait l'homme, c'est ti jeune, yo ba pral diriger pays, tête mon ti j'en fait mal, ti jeune pa gen suffisamment expérience. Ou na aucun bon pays, yo ba ti jeune place président. Non, na aucun bon pays, yo ba ti jeune facile place président. Ti jeune gon j'en fait ba yo, ti jeune gon j'en fait ba yo son ba grave. Ti jeune la passe sous avec toute rage li. Ti jeune pas besoin connait si n'te gen loi qui te régit entre nous, est-ce que t'es gen bagaille qui t'est écrit, gen bagaille pour ne pas faire pour ti jeune lui-même tout vous m'sedo. OK, pour ti jeune tout vous m'sedo. Arrêtez n'a pas arrêté sans garder d'œil. Donc des ordres cap fait. Et département d'état mesdames et messieurs, yo même yo faire connait, y a déporté depuis ces haïtiens qui rentraient par de l'eau. OK, et les États-Unis mettent note ça d'ailleurs, li fait connait depuis ces haïtiens et cap rentré par de l'eau, secrétaire sécurité maintenant et États-Unis, donc le secrétaire à la sécurité territoriale États-Unis Alejandro Mayorkas, li déclare que haïtiens qui rivé par la mer sous sol des États-Unis, y a restitué yo. Et puis gouvernement président Joe Biden non et l'ipoko envisager et envisager pour le capable et en extend TPS pour ressortissant qui sorti dans pays si là. Donc OK ça dossier TPS là il continue à monter table là donc quitte le monter table là jusqu'à ce que yo joine un bagaille pour lui et Mayorkas fait qu'on est sous rentrer par de l'eau yo pas capable. Dans une interview qui était publiée mardi par groupe Maclachi propriétaire Miami Herald, Mayorkas souligne que haïtien a cherché fui violence et bonne armée yo qui a ravagé nation yo ta doit éviter prendre la main pour rentrer aux États-Unis. Secrétaire d'État Mayorkas a également souligné que le gouvernement de Joe Biden n'a pas envisagé pour le renouveler ou bien élargir statut protection temporaire pour Haïti et qui protège les migrants contre expulsion et accorder un permis de travail pendant que l'a surmonté crise politique. Donc, il faut connaître si toutefois ou même ou t'a voulu prendre l'eau, pas prendre ça. Mayorkas rappelé dans Miami Herald que migrants et nations ça, yo t'es déjà voyé en Haïti, qui t'es intercepté par garde nationale
pas bien chance participer dans programme Biden. 12 mars, agence fédérale t'a arrêté 65 haïtiens et 65 haïtiens dans Bahamas. Selon organisation internationale pour migrants OIM, gagné 13 000 moun yo déjà répatrié et par pays voisin, soit 46% plus qu'en février, malgré aggravation situation dans la République dominicaine, gagné près de 13 000 moun seulement dans un mois, malgré j'entendais ça, yo déporté voyé Haïti. Et repatriement yo, yo effectué en dépit des appels constants qui lancés par organismes internationaux, etc., pour capable et pas déporter haïtien. Dans le cas de crise là, près de 100 000 personnes déplacées à vivre dans zone d'installation. Dans zone d'installation, dans des conditions déplorables selon OIM. Mais, et, d'accord, toujours avec la République Dominicaine dans ce sens. Ça, si les États-Unis ne veulent pas recevoir haïtien la caillou qui t'apprend la main, li promettre la déporter yo pour qui ça demande la République Dominicaine kembe yo. Hein, qu'on prend la mer, qu'on prend route l'arrivée, chaque pays c'est pays. Donc ça veut dire si qu'on fait mal pour que yo pas déporter haïtien rentrer dans pays États-Unis si on veut déporter ou pas commander l'autre pays à non plus pour le prendre. Donc là l'air pour nous suspendre pour monde ça aussi suspendre faire vieille hypocrisie que y a faire. Département d'État et département de, d'État des États-Unis ont annoncé hier vendredi que président Luis Abinader et secrétaire d'État Anthony Blinken ont parlé par téléphone concernant crise Haïti. Jusqu'à maintenant, Haïti lui-même ses voisins continuent à parler pour nous parce que nous sommes femmes, on sait petite qu'il a gagné sans papa. Dans bref déclaration publiée sur site web, ils ont indiqué que Blinken et président dominicain ont discuté de coordination actuelle sur situation Haïti sans au babay plus détails. Secrétaire lui remercier président Abinader pour soutien qu'elle a porté à retour famille américain yo donc qui était dans pays d'Haïti et lui aider pour évacuer. Donc il aider évacuer. Jusqu'à 24 mars, les États-Unis ont évacué environ 500 citoyens et sorti cap haïtien pour arriver dans cap haïtien pour arriver dans Las Américas. Ce qui entendait, donc il y a 5 citoyens jusqu'au 24 mars, il y a 500 citoyens américains qui ont pris un cap haïtien, là, ou Las Américas, comme ça, ils ont même eu cap dégagé. Le département d'État a indiqué, depuis l'annonce de vol évacuation, il y a milliers d'Américains qui ont demandé pour expulser, retirer en Haïti, parce qu'ils ont trouvé une situation qui est vulnérable en raison de l'augmentation, violation dans le pays voisin. Donc il y a plus qu'un millier d'Américains qui dit yo pas safe en Haïti, s'il vous plaît, est-ce qu'on ka retire dans pays ça parce que pays a lui-même li chaud. Pour question programme Biden non, comme vidéo en parlé trop long, m'a répondu yo pita à 3h30, m'a mandé pour mettre au prêt pour qu'a joindre toute qualité détail avec l'autre information que m'pral porter pour nous. M'a quitté nous là pour matin, non pas monsieur MPH, m'a mandé autant prix. Vidéo un like en bas vidéo ça. Sous pote quoi abonner, cliquez sur bouton qui marque subscribe là. Lorsqu'il cliquez sur lui, cliquez sur cloche notification en tout. Lorsqu'il cliquez sur cloche là bas trois options. Première option marquez toutes. Cliquez sur troisième option, première option, dit tout là, chaque fois que je monte une vidéo pour que je joigne. Et puis, pas oublier de quitter like dans la vidéo, ça, c'est façon qu'à montrer rien même. Non, pas me dire MPH, mais moi, ciao à la prochaine. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscribir, mais ça, c'est espagnol. Si vous êtes en anglais, vous marquez subscribe. Si vous êtes en français, vous marquez s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après, on a une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sous cette cloche là, ou après, l'on abonne automatiquement le pas sous première option. Ou après, flèche là, sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sous première option, que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que vous montez une vidéo, ou après, joignez une notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.